on se retrouve aujourd'hui, ben on est lundi, donc pour les cartes du concours. Donc je pense que ce sera les dernières, puisque là aujourd'hui on est le 12 février, mercredi c'est le tirage au sort. Bon, si j'en reçois encore demain et mercredi, bon, ils feront partie du concours, hein, bien sûr. Mais là, bon, je vous montre celle que j'ai reçue donc cette semaine. Voilà, donc j'ai encore reçu pas mal de cartes. Donc je vais vous les présenter. Alors, la première, elle me vient de Stéphanie. Voilà. Qui m'a fait, alors je vous montre que le ce côté là qui m'a fait l'enveloppe elle-même également. Alors mes mères, mets-toi là 2 minutes s'il te plaît. Alors qui m'a fait une carte avec un shaker et une jolie gorgus. Voilà. Alors, et qui m'a écrit donc coucou Didith, voici ma carte Saint-Valentin pour le concours. Je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin avec Chouchou et de bons préparatifs pour ton mariage. À très bientôt, Stéphanie. Alors, Stéphanie, merci beaucoup. J'adore ta carte. Et puis la petite Gorgus avec son petit minou. Voilà, une petite fifi dessus. Là, je vais cacher ton nom. Voilà. Et regardez, elle a mis de jolies Westin Tape. Avec des I love you, c'est vraiment très joli. Voilà. Alors, elle m'a mis une petite un petit paquet en plus. Bon, j'avais déjà ouvert, hein, bien sûr. Et là, oh, des gorgus, des jolis gorgus. Regardez, elles sont trop belles. Là, elles sont toutes mignonnes, je les adore. Alors merci beaucoup pour toutes ces belles gorgus, je les adore. Merci, merci, merci. J'ai mes cartes qui s'envolent. Alors on va tout remettre dans la petite enveloppe avec ces petits cadeaux. Voilà. Alors, la suivante, elle me vient de Daniel. Coucou Daniel, mon Télimar. Oula, alors attends, il y a plein de petits cadeaux qui partent. Alors, je vais les montrer après. Ah oui, ils devaient être là. Ils sont tombés de la petite enveloppe qu'elle avait mis là. Regardez, plein de jolis cœurs sur la carte. Tout mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Et elle a mis plein de petits tickets, des bons. Alors, bon pour une sortie en amoureux, ticket tendresse, ticket bonheur. Bon pour un bisou. Encore un bon pour un bisou. Bon pour un câlin. Bon pour un resto, c'est toi qui choisis. Un ticket Saint-Valentin. Et bon pour un week-end, juste tous les deux. C'est pas beau ça? Oui. Merci beaucoup ma Danielle. Alors, la carte, je vous l'ai montrée avec plein de cœurs superposés, tout brillant. Et alors, elle m'écrit, bonjour Edith, voici ma participation pour ton concours. Je suis ravie d'avoir appris ton futur mariage. Et je regarde tes préparatifs. Je te souhaite plein de bonheur avec ton doudou. Je te fais plein de gros bisous et attends de tes nouvelles. À bientôt sur ta chaîne ou la mienne. Garde le moral et le sourire. Bon courage pour les préparatifs. Plein de caresses au poilu. Bisous. Ben, merci beaucoup, hein, Daniel. Fifi, bouge. Merci beaucoup. Et moi, je t'embrasse aussi très très fort. Et elle m'a mis également, alors je vais remettre les petits bons dans la petite enveloppe. Non, Fifi, arrête s'il te plaît. Voilà. Et elle m'a mis des petits cadeaux dans une petite pochette. Alors, un petit nounours, comme ça,
sur un trombone qui servira de paperclip. Une petite poule, toute mignonne. Là, un papillon avec un sourire sur une petite pince. C'est tout mignon. C'est fait en mousse. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. On va les remettre dans le sachet. Alors, hop. Voilà. Et le petit papillon. Et les petits cadeaux. Voilà. Ensuite, alors là, c'est arrivé par avion. Donc, ça vient de la Belgique, de Véronique. Alors, il m'a fait une jolie carte avec un cœur en bois. Voilà, avec des petites perles, des demi-perles. Ici, un petit galon de dentelle. Allez. Une jolie petite souris à l'intérieur. Et donc, elle l'a fait avec un papier. Voilà. Bonjour Edith, toutes mes félicitations pour ton mariage. Je te souhaite tout le meilleur du monde. En cette fête de Saint-Valentin, fais le plein d'amour et d'amitié. Je te remercie pour le concours et pour tous les partages que tu nous offres. Gros bisous et surtout, sois heureuse, Véronique. Bah écoute, je te remercie beaucoup Véronique et bah je te souhaite aussi à toi d'être heureuse et je te fais plein de gros bisous et j'aime beaucoup ta carte. Merci. Voilà. Ici, Julia qui m'a mis un joli washi. Allez, j'ai enlevé sa carte. Ça, je vais pas mettre son nom. Oui. Fifi, enlève tes grosses fesses. Merci. Voilà, c'est beau. Hein? Alors, sa carte. J'avais qu'il y avait quelque chose avec. Donc, avec une carte rouge, avec des cœurs, des nœuds, un washi avec des bouches pour faire des bisous. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, pareil, un peu des washi et un cœur. Et elle m'a fait un petit mot. Alors, Edith, je suis très heureuse de pouvoir participer à ton concours. J'ai commencé le scrap en décembre, donc il n'y a pas longtemps. Hein, c'est une jeune scrapeuse. Et j'espère que ma petite carte va te plaire. Oui, elle me plaît beaucoup. Tu as déjà eu dans ta boîte aux lettres tellement de jolies choses. C'est vrai. Quoi de mieux qu'en une si belle année que de recevoir des cartes d'amour. Je ne colle pas ce petit mot car tu pourras t'en servir ou envoyer une petite carte à ton petit mari, par exemple, après le mariage. Oui, bonne idée. Puis le mois suivant, puis celui d'après, etc. En tout cas, bon préparatif pour ce dernier. Quand j'ai eu ton adresse, je me suis dit « on est voisine ». Bon, d'accord, pas tout à fait. Alors, attends, regarde la tienne. Ah bah oui, 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 on n'est pas loin, effectivement. Alors, mais du coup, si un jour tu ne trouves pas quelque chose chez Action, par exemple, je pourrais regarder près de chez moi. Bah oui, t'as Action, toi, à Tourcoing. Je voulais également te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais et j'adore tes vidéos. Je t'embrasse amicalement, Julia. Ben écoute, Julia, merci beaucoup. Et je ne manquerai pas. Ah, Fifi, bouge! Oh là là! Et je ne manquerai pas de faire appel à toi si j'ai besoin de quelque chose chez Action que je ne trouve pas. Voilà. Et elle m'avait mis un petit carnet de timbres. Ils sont jolis en plus, ces timbres. Merci beaucoup. Les timbres, ça peut toujours servir. Alors, ici, l'enveloppe est grosse. Ça vient de Michel. Alors, attends.
j'arrive à tout sortir. Oula. Alors attends, je vais mettre ça sur le côté d'abord, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans l'enveloppe. Hop là, voilà. Ça fait tout sorti, oui. Donc Michel m'a mis plein de petites choses. Alors d'abord, je vais vous montrer sa carte. Voilà, juste pour toi. Voilà, avec des cœurs, des tamponnages, des tâches faites à l'encre. Voilà, c'est super joli. Là, un petit découpage sur le côté avec une ficelle. J'aime beaucoup. Alors, je vois que tu vas te marier. Ah bah non, faut que je le début. Cher Edith, c'est avec plaisir que je participe à ton concours. Je tiens à te remercier des petites astuces publiées sur YouTube. Même si je scrape depuis 11 ans, il y a toujours à apprendre. Ça c'est vrai, on apprend toujours de toute façon. Vive le partage. C'est cet aspect de notre passion commune que j'aime. Je vois que tu vas te marier. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux. Surtout, passez une excellente journée avec tous vos proches que vous chérissez. Je t'envoie toute ma sympathie. Scrap bise. Midi, je pense. Ça doit être ton pseudo. Alors, Michel. Donc, c'est Michel. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Michel. Et j'aime beaucoup ta petite carte. Et tous les petits cadeaux que tu m'as mis. Alors, Michel m'a mis plein de petites fleurs en papier, en tissu. Alors, j'essaie de vous les montrer un peu comme ça. Bon, je vais te montrer un petit peu en vrac, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hop. Voilà. Oh, il y en a encore. Hein. Voilà, regardez. Il y a toutes les petites fleurs. Je vais les remettre tout de suite dans l'enveloppe pour ne pas les perdre. Hop, voilà. Ensuite, elle m'a fait plein de choses. Alors, elle m'a mis des boutons. Ça, c'est bien aussi. Alors, les boutons. Oups, il y a encore des fleurs là derrière. Plein de petits boutons, toutes les couleurs ou en forme de fleurs. Voilà. Allez, voilà. Merci beaucoup hein, pour tout ça, Michel. Et on voit encore ici qui se perdent. Ça, je vais les remettre tout de suite dans l'enveloppe. Ensuite, alors, ça, je sais pas, c'est en plastique. C'est tout rigolo. Regardez, une petite bonne femme et un petit cactus. Voilà. Donc, ça a été fait avec un au feutre ou je ne sais pas. Écoute, tu me diras, Michel. Mais c'est tout mignon. Alors, un petit cactus et une petite bonne femme. Voilà. Ici, alors, une ATC. Je vous dis, il faut que je me mette aux ATC. Hein. Vous m'envoyez toutes des ATC, donc je vais m'y mettre. Regardez comment elle est belle. Super jolie. Donc, je sais pas, ça a fait sur un carton, je pense. Ouais. Et alors, c'est le thème, c'est Tempête sur la ville. Et donc, ah, l'auteur, c'est ça. Donc, Midi. Donc, Midi, c'est bien ton pseudo. C'est bien. Voilà. Bah écoute, vraiment très joli pour moi. Donc, promis, je me mets à faire des ATC. Voilà. Et ensuite, elle m'a fait. Alors là, elle a dû passer un temps fou à tout préparer. Hop, il y a encore un bouton qui se perd. Ici, elle m'a fait des embossages. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais bouger. Voilà. Là, c'est des fleurs. Super beau. Alors, celui-là, j'adore. On dirait comme du papier chiffonné. Alors, c'est mémoré. Ah, elle m'a marqué les noms derrière. D'accord. Alors, là, c'est
Ah, ça doit être la marque des plaques d'embossage. Donc là, c'est Daris. Et là, c'est Memory Keeper. Regardez. J'adore celle-là. Elle est super belle. J'aime bien. Moi, j'aimerais bien la trouver, celle-là. Elle est super. Après, celle-ci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est du blanc. Alors ça, c'est Toga. Donc, c'est un embossage de Toga. Ici, Dye et compagnie. Et ça s'appelle Ciel étoilé. Ah, vous voyez, en plus, elle m'a tout noté. Hein. Vraiment très, très bien. Alors, après, elle m'a mis des... Même les tampons, hein, elle m'a écrit derrière tout ce que c'était. Les tampons. Alors, un tampon... de cactus, donc ça c'est tampon chou et flower Monkey Duke. Là, un tampon de cornet de glace, c'est Aladdin. Donc il y a la même la référence. Ça c'est des nuages, il est beau aussi celui-là. Alors tampon florilège, ah, t'as passé un temps fou hein, faire ça. Là, les vases avec des fleurs, les ateliers de Karine, joli bouquet. Donc, il y a même, pareil, m'a mis les références. D'habitude, je dis que je montrerai après les cadeaux, mais là, sont vraiment, ça a tellement passé un temps fou à devoir faire ça. Là, les fleurs. Donc, c'est encore les ateliers de Karine, trio de fleurs, ça s'appelle. Là, les petits toutous. Donc tampon pétalune, je crois. Pétalum. Alors c'est. Ça vient des USA. Donc pareil, elle m'a mis les références. Oh, vraiment génial. Hein. Alors ça, je les trouve trop rigolo. Alors, marque du tampon à impression. Regardez. Il est trop rigolo. Là pour là aussi allez pour faire pour un anniversaire trop chaud donc pareil ça vient de chez Art Impression et celui-ci les deux copines qui rigolent pareil et elle m'a fait des découpes alors pareil elle m'a fait des petites pochettes en me marquant dessus ce qu'il y a dedans donc les découpes voilà bon je vais peut-être pas vous les montrer en détail mais là c'est vous voyez c'est des petites feuilles par exemple des vous voyez des fleurs je vais pas tout les montrer mais là elle m'a fait des découpes de la marque Florilège là elle m'a fait par exemple vous voyez ce cœur il est bien connu celui-là là le pareil le Polaroid, l'appareil photo. Donc j'ai des découpes de la marque Simply Graphic. Sauf le cœur, c'est Seizing Team Holtz. Vous voyez, regardez, elle m'a tout noté. Là, vraiment, je dis qu'elle a passé un temps fou à me préparer cette enveloppe. Là, regardez ce cœur. Il est super joli. Il y a des fleurs, des cœurs. Donc, c'est les découpes de la marque Fait du Scrap. Et le dernier, c'est des découpes de la marque 4 en Scrap. Non, pas le dernier, l'avant-dernier. Donc là, il y en a un grand. Regardez, ça fait comme une ville. Et là, pareil, il y a des fleurs, des, vous voyez, ce genre-là. Super. Il y a encore des fleurs, des bordures. Voilà. Vraiment génial. Merci, merci beaucoup. Et le dernier, alors, la petite machine à écrire. Il y a un chat, une petite fille. Après, il y a d'autres, voilà, des choses comme ça, vous voyez. Alors ça, c'est des découpes de la marque Kesiart pour le chat.
Pour le chat et le cœur, machine à écrire et autres actions. Les autres, c'est actions. Eh ben, écoute, tu as passé un temps fou, Michel. J'adore tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Alors, on va remettre bien tout ça dans l'enveloppe. Voilà, la petite carte. Alors, encore un grand merci, Michel, pour cette superbe carte et tous ces petits cadeaux. Alors, ici, alors celle-là, je l'ai reçue aujourd'hui. Il y avait celle-là aujourd'hui au courrier. Elle me vient de Maria, donc Scrapus 01. Voilà, regardez. Un joli love, des cœurs rouges, une ficelle. Alors, coucou, voici ma carte pour la participation à ton concours. Je profite aussi de l'occasion pour te présenter mes meilleurs voeux pour ton mariage. Et elle me met son compte Instagram, pardon, donc c'est Scrapeuse01. Bah écoute, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta carte. Et le fond comme ça en bois, c'est original. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Alors, ensuite, Créa Mélan. Oula, bien connu aussi hein, sur YouTube, Créa. Alors, une jolie carte aussi, avec plein de cœurs. Voilà. Alors, qui m'a écrit? Alors, elle m'a écrit au stylo argenté à l'intérieur. J'ai un petit bouton de Michel qui se sauve. Voilà. Alors, coucou Edith, je t'envoie ma participation au concours, un peu absente et débordée en ce moment avec ma chaîne. Tu as raison, c'est pas facile de gérer tout ça. Ouais. Félicitations aussi pour ton mariage. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'année 2018. Gros bisous, Créa Mélan, Mélanie. Ben écoute, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on est très prise par quand on a une chaîne, hein, le temps de faire nos vidéos, les montages, de mettre en ligne, tout ça, de faire nos tutos et tout. Ça nous prend énormément de temps. Donc, plus ce qu'on fait encore à côté. Mais tu le fais très bien et puis on le fait parce qu'on aime ça. Voilà. Alors, merci beaucoup encore, Mélanie. Ici, c'est qui? Brigitte. Allez, une jolie carte avec de jolies plumes. Donc, avec des petits chats. Ah, les miaou, ils disent miaou. Il y a le papillon, les chats, les plumes, les cœurs, tout ce que j'aime. Alors, chère Edith, je suis ravie de participer à ce concours de la Saint-Valentin. Cela fait un an que je scrape seulement. J'ai 56 ans. Voilà, donc, on est à peu près de la même génération. Hein, moi, 54. Je suis de Caudry, à côté de Cambrai. Ben, je connais bien. Hein, parce que ben, donc, tu es du Nord aussi, comme moi. Caudry, je connais. Je fais surtout des albums et un peu de carterie et d'embellissement de la couture. Je te souhaite à toi et ton ami une bonne Saint-Valentin et surtout un bon mariage à vous deux. Que cette semaine soit pleine de joie et de bonheur. Les cartes d'invitation sont sublimes, tu as du talent. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, j'ai une page Facebook, c'est Brigitte. Alors, Brigitte, ça doit être Brigitte Scrap. Ok, bah écoute, j'irai voir ta page Facebook, j'irai m'y abonner, il n'y a aucun souci. Tous mes voeux de bonheur à tous les deux, Brigitte. Je vous remonte encore sa carte, bah écoute, elle est très jolie. Alors, on va remettre dans l'enveloppe. Voilà, alors, ici. Ah, par contre, il y avait un petit cœur qui s'était détaché de ta carte. Mais bon, je le recollerai. Hop. C'est pas bien grave. Alors, ici, une grande enveloppe pour une grosse carte. Donc, ah,
Par contre, tu m'as pas mis ton adresse. Alors, c'était qui là? Nathalie. Nathalie. Alors, regardez, je vous montre. Voilà. Des nounours amoureux. Sous le parapluie, il pleut des cœurs. C'est très mignon, j'adore. Alors, elle m'a fait une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, ici, il y a un papillon. Hop, voilà. Celui papillon bleu. En plus, bleu, c'est bien, ça va être les couleurs de mon mariage. Donc, avec du papier, de la dentelle, du ruban. Ici, une rosace. Voilà. Voilà. Je vais, comme il y a un peu un petit scotch, je vais l'enlever pour qu'on voit bien ce que tu as mis en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est la rosace. Elle est super belle, toute mignonne. Je vais la remettre après. Hein. Hop, je vais mettre le scotch là. Voilà. Et ici, elle a fait une petite pochette avec la toile de jute. Et ici, elle a mis un petit tag. Voilà, tout mignon. Avec un papillon en toile de jute aussi, rose, la dentelle, des fleurs. Et donc derrière, elle a écrit « Avec tous mes voeux de bonheur ». Nanou, créa rêve. Donc ça doit être le nom de ta... le nom que tu as sur Facebook. Ou sur YouTube. Et derrière, je vous montre, voilà. Donc il y a une petite enveloppe qui est collée. Hop, voilà. Avec des petites surprises dedans, j'ai plein de surprises, je suis gâtée. Voilà. Avec une jolie fleur, en tissu, le ruban, et une deuxième, faite avec la dentelle, et un petit strass avec une fleur, tout mignon. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, on va dire ton petit mot. Ta carte est très très jolie. Cas, je vais remettre le petit pour pas le perdre avec son petit scotch. Voilà, comme ça je ne perds rien. Alors, ton petit mot: bonjour Edith, voici ma carte pour la Saint-Valentin et pour ma participation au concours. Je suis vos vidéos ainsi que vos belles créations. Bravo! Bah écoute, merci beaucoup. Votre Fifi est bien jolie, c'est une star sur YouTube. Merci. On a envie de la caresser, faites-le pour moi, j'y manquerai pas. Je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour votre mariage. Félicitations et que ça dure et que ça dure longtemps. Pardon. Continuez vos vidéos, c'est super. Cordialement et scraptement, Nathalie. Voilà, derrière, elle m'a mis son adresse. Et donc elle a une boutique. Alors si tu me le permets, je vais dire le nom de sa boutique. Elle a une boutique sur Etsy. Et donc le nom de sa boutique, c'est Lily Fantasy. Voilà. Et sur YouTube, donc c'est Nanou Créa Rêve. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous invite à aller lui rendre une petite visite. Moi, je n'y manquerai pas. En tout cas, je vais aller te rendre visite. Merci beaucoup. Et la dernière, alors, qui vient de Florence. Voilà. Voilà, qui m'a fait une jolie carte aussi. Joyeux Saint-Valentin avec un joli love, un joli ange, joli ange de la Saint-Valentin avec un petit cœur, voilà. Des petits demi-perles, des demi-perles en forme de cœur, voilà.
Donc, elle m'a écrit. Alors, bonjour Edith, vous trouverez ma carte pour la participation à votre concours, Thème Saint-Valentin. C'est ma toute première carte. Je suis plutôt mini-album et c'est mon tout premier concours aussi. Je suis donc ravie d'y participer. Ah ben écoute, il faut un début à tout, hein, et si c'est ta première carte, elle est déjà très belle. Je vous suis sur votre chaîne YouTube et j'adore ce que vous faites. Et surtout Fifi, que je trouve tellement belle. J'ai moi-même 8 chats. Ah bah donc je comprends. Je ne vous précise pas que je les aime très fort. Je n'en doute pas. Maintenant, reste plus qu'à me souhaiter bonne chance pour le tirage au sort. Même si en général, je ne suis pas trop chanceuse au jeu. Je vous fais de grosses bises. Continuez à nous régaler. Florence. Sur Instagram, Flo Scrap. Et elle n'a pas de chaîne YouTube. Entre parenthèses, elle me marque bien trop timide. Bon, tu sais, moi au début, j'avais un peu peur aussi de faire ma chaîne YouTube. De toute façon, t'as qu'à aller voir mes toutes premières vidéos. Elles sont nulles, nulles, nulles. Mal montées, mal. Puis on m'entend presque pas parler. Donc après, ça va mieux. Et elle m'a mis des papillons. Ils sont super jolis. Regardez. Ils sont trop beaux. Alors, je sais pas si c'est pas toga, ça, ces papillons-là. Ils sont trop beaux. Voilà. Je crois qu'ils vont certainement aller... Au moins une partie iront dans mon album de mariage, je pense. Merci beaucoup, en tout cas. Ben voilà, j'ai plus qu'à vous remercier encore une fois toutes pour vos jolies cartes, votre participation au concours. Donc là, je vous dis, le tirage au sort, c'est mercredi, puisque ce sera le 14 février. Je ne vais plus me tromper, parce que on m'a dit dans la dernière vidéo, je pense que j'ai fait. J'ai dit 14 juillet, après j'ai dit, je crois que j'ai dit envoyez-moi vos vidéos, au lieu de envoyez-moi vos cartes. Des fois Didith, elle est à côté de la plaque, complètement. Donc, non, je vous ferai une vidéo pour le tirage au sort le 14 février, voilà, jour de Saint-Valentin. Là, je vais essayer... cet après-midi aussi de vous faire une petite vidéo pour une carte. Je vais essayer de faire une carte à laquelle j'ai pensé cette nuit. Oui, même la nuit, ça travaille dans la tête. Donc je vais voir si je fais cette petite vidéo là cet après-midi. Parce que là, je viens d'aller à un rendez-vous médical, mais mon prochain rendez-vous aujourd'hui, bah, c'est le kiné. C'est pas avant 5h30, donc là il est midi et quart, donc j'ai le temps de scraper un petit peu. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit tuto là, de cette carte que j'ai imaginée cette nuit. Voilà, ah, là, il y en a là-dedans, hein, dans la tête, je vous jure. Allez, je vous laisse déjà sur cette vidéo. Bon, bah écoute, si je reçois encore des cartes, bien sûr. Je vous les montrerai juste avant le tirage au sort, mais elles compteront hein, pour le tirage au sort, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour les envois, pour celles qui voudraient encore envoyer, là c'est terminé. J'attends de recevoir celles qui ont déjà envoyé, mais là par contre, n'envoyez plus pour le concours, parce que je les recevrai trop tard, je les recevrai après le concours, donc c'est pas la peine. Donc là, le concours en lui-même est clos. Est terminé et je ferai donc le tirage au sort mercredi, jour de la Saint-Valentin. J'ai déjà été chercher les cadeaux chez Action, mais je ne vous les montre pas maintenant. Si vous êtes sage, je les montrerai peut-être mercredi dans la vidéo, mais seulement si vous êtes sage. Voilà, Fifi. Et donc les cadeaux sont prêts, ils sont déjà dans les enveloppes. Je n'ai plus qu'à mettre le nom et l'adresse des deux gagnantes. Voilà. Et puis,
Donc, bon, il y aura encore d'autres concours, hein, quand je ne sais pas encore, parce qu'après, là, je vais être prise aussi avec le mariage. Et puis là, bon, il faut quand même que je garde mes sous-sous pour le mariage un petit peu, hein, voilà. Mais je vais continuer par contre à faire les vidéos, les tutos, tout comme d'habitude, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le prochain concours, je verrai ce que je ferai. Voilà. Hop! Ah, Fifi, range-moi ta queue. Tu peux pas arranger ta queue. Non. Hein? Voilà. Oh. En ce moment, c'est la bagarre parce que j'ai refait mon coin de salon. Alors, je vais peut-être vous montrer. Voilà. Ce sera un petit plus sur la vidéo. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, vous allez voir mon bouquin. Voilà. Vous voyez? Ah, il y a mon bouquin. Donc c'est tout petit hein, chez moi, vous le savez hein. Donc là, vous voyez là, le rouquin là, là le petit rouquin Jerry, il est sur le pouf. Alors c'est un pouf que j'ai acheté à Action, et ce pouf normalement est fait pour mon mari, pour quand il veut faire sa sieste un peu dans les fauteuils, pour y mettre ses pieds. Et trois quarts du temps il est squatté par Mademoiselle Fifille, voilà, qui trouve le pouf bien confortable. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Géry qui le squatte. Voilà. Hein? Oh oui. Mais bon, il est affreux, il a besoin d'aller chez le coiffeur, d'aller prendre le bain. Hein, on va prendre le bain. On va brosser, Géry? Oh là là, oh là là, ça va même pas. Et voilà, donc là, j'ai trouvé en solde, donc aux Trois Suisses, ces deux fauteuils. Voilà. Donc là, on les voit pas bien, mais parce que j'ai mis des plaids. Alors, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous voyez? Ils sont en peau, en simili-cuir. Hein, voilà. Et j'ai trouvé ces plaids. Ils sont super beaux. Chez Babou. Pareil. En solde. Pour les protéger. Vous voyez? Ils sont noirs et avec des. J'essaie de vous montrer de près, voilà, avec des petits ronds dorés, voilà, pour protéger mes fauteuils, parce que je ne veux pas que Fifi aille faire ses griffes dessus, parce que c'est quand même des fauteuils qui, à la base, coûtent 500 euros pièce, et moi, je les ai eu à moitié prix, donc c'est comme si j'avais eu un fauteuil gratuit, voilà. Donc, avant, on avait un grand canapé là, si vous vous rappelez. Puis, on avait un petit fauteuil là, mais un vieux truc. Donc, on a refait donc la petite déco là. Alors, on a remis un fauteuil là, le deuxième là. Et le pouf, hein, qui est squatté. Là, dans les nouveautés, le petit meuble ici. Voilà. Que j'ai pris à Action cette semaine. Voilà. Voyez. Voilà, que j'ai décoré avec la lanterne d'Action qui était avant dans ma bibliothèque. Et en dessous, c'est pas, je ne sais pas si vous allez bien voir, il fait noir, c'est des pipeaux cactus d'Action aussi. Voilà, ah ben voilà, là vous le voyez le pouf. Donc il vient d'Action. Le tapis, pareil, alors le tapis, je suis obligée de passer l'aspirateur tous les jours avec eux, du coup maintenant, que j'ai eu aussi en solde au Trans-Suisse. Et mes petites décos d'Action, le plateau vient d'Action, le petit oiseau là, Action, le gros oiseau, Action, et le dernier plateau là, hop, voyez, avec des papillons qui vient d'Action. Bon, faites pas attention à la poussière, je l'ai pas faite ce matin. Voilà, il y a que le soleil qui tape dedans. Voyez. Donc voilà, et là j'ai mon panier à tricot. Voilà, et mon ordi dessus, du coup. Parce que j'ai. À la base, j'avais pris ce petit meuble-là pour y mettre mon ordi. Mais non, l'ordi est plus grand que le meuble, donc ça va pas. Et là, bon, j'ai une orchidée qui vient dessus, hein, normalement, mais là, mes orchidées sont en train de prendre leur bain. Et du coup, bah là, elle n'est pas dessus. Parce que le lundi, c'est le bain des orchidées. Alors. Attendez, je repose pour venir vous faire un bisou.
Voilà. Le fichu, bien sûr. Du coup, voilà, je vous ai montré mon nouveau petit coin salon. Pour ça, j'ai profité des soldes, hein, parce que sinon, c'était pas possible. Hein. Alors, la petite histoire pour mes fauteuils. Les livreurs sont venus. Alors, mon mari était au travail. Les livreurs sont venus. Bon, chez moi, c'est petit. C'est un appartement d'HLM. Hein, donc, c'est pas 100 mètres carrés. Hein. Et ils n'ont pas cherché. Alors, normalement, moi, j'ai payé pour qu'il soit livré, posé dans la pièce de mon choix, déballé, et ils emmenaient les cartons d'emballage. C'était compris dans le prix que j'ai payé. Et quand ils ont vu qu'il y avait trop de manipulations à faire pour arriver dans le salon, eh ben, ils m'ont laissé. Alors, je vais vous montrer où. Vous voyez, là. Bon, alors, je ne sais pas si vous allez voir là. Vous voyez? Ils ont laissé ici, là, voilà, dans ce petit coin là. Là, c'est noir, hein, je ne vous verrai pas bien. Donc là, c'est ma porte d'entrée, vous voyez. Alors, il m'avait tiré mon meuble ici, il l'avait enlevé, mon meuble à chaussures. Et puis, il m'avait planté là mes deux fauteuils emballés. Ils avaient laissé dans les cartons. Et donc, moi, j'avais ma bibliothèque ici. Et puis, bah, débrouillez-vous, madame. Nous, on ne sait pas rentrer les fauteuils. Donc, comme j'habite au rez-de-chaussée, je leur avais dit, bah, passez-les par la fenêtre. Nous, c'est une grande baie vitrée, enfin, c'est une demi-baie vitrée, mais on pouvait très bien les passer par la fenêtre puisque je suis au rez-de-chaussée. Ah non, non, on n'a pas le droit. Je me suis retrouvée avec les deux fauteuils coincés dans mon couloir. J'ai dû attendre que mon mari rentre. On a dû du coup les déballer nous-mêmes, et en les déballant, on s'est aperçu qu'il y avait un fauteuil qui avait un pied de cassé. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas voulu, est-ce qu'eux se sont aperçus qu'il y avait un pied de cassé et que justement ils n'ont pas voulu déballer ou aller plus loin, pas que je vois tout de suite qu'il y avait un pied de cassé dans le fauteuil, j'en sais rien. En tout cas, j'ai porté réclamation au Front Suisse, maintenant j'attends, mais bon, voilà. Et tout ça parce que bon, ils devaient me livrer entre 13h et 16h, ils se sont pointés à 16h15, ils regardent sa montre, oh là 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 là, on est en retard, hein. Il faut qu'on se dépêche. Bah oui, bah moi j'en ai rien à foutre, j'ai payé, tu fais ton taf, hein, mon mec, voilà. Et du coup, moi je ne pouvais plus sortir de mon appartement, je pouvais plus bouger. J'avais deux fauteuils dans le couloir devant la porte d'entrée, et je ne pouvais plus bouger. Voilà. Donc mon mari et moi, on s'est tapés tous les deux à déballer et à mettre les fauteuils en place nous-mêmes. Voilà. Mais bon, enfin, faut pas en demander trop. Hein. Bon, j'ai dévié là sur la conversation. Hein, désolée. Bon, maintenant je vous laisse. Je vais vous faire de gros bisous, Fifi aussi, elle vous fait de gros bisous, des grosses léchouilles, hein, tu fais des grosses léchouilles, non, non, mais montre pas tes fesses, c'est pas tes fesses qu'on veut voir, c'est ta boubouille, tes fesses on s'en fiche, hein, on peut avoir tes fesses. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, je vais monter la vidéo, vous la mettre en ligne. Je vais essayer de vous faire cette petite carte là que j'ai imaginée cette nuit. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous, à bientôt.